not a game, it's a rich thing. Khan est la star de Desperate Housewives. D'ailleurs, côté look, elle s'en inspire. On dit souvent que je ressemble, donc forcément, je regarde ses looks. Des looks très glamour, donc. C'est la particularité de notre Eva Longoria locale, qui définit son style de façon très précise. Le Lisa Power, c'est beaucoup de glamour, de tapis rouge et de Khan. Oh là là, quel casting de stars cette semaine, ça promet. Lisa, faites connaissance avec vos rivales. Alors, raconte-nous un petit peu. Moi, je viens du sud de la France. Ah. J'habite à côté de Cannes. Moi, j'habite à côté de Cannes aussi. Hein. Ah, une copine. Oh oui, une copine de région. Mais une copine de look aussi. Il y a quelque chose qui vous a plu chez elle? Alors, Angèle et son petit collant en imprimé, donc je trouve assez original. Il vous fait rugir de plaisir, ce style. Il est assez Lisa Power à votre goût? C'est pas un style que je mettrais forcément, mais je trouve que ça lui correspond bien. Angèle, vous, Lisa vous fait quel effet? Lisa, la petite bombe. La petite Eva Longoria, c'est la même, je trouve. Et il n'y a pas que chez vous que la petite Eva Longoria fait l'effet d'une bombe. Quand on la voit arriver, on se dit « ouf, voilà ». Et « ouf, voilà », en langage Gradiella, ça veut dire « il y a du niveau », c'est ça? Ouais. Et ouais, encore une concurrente de taille. Et ce n'est pas fini, puisque voici Andrea, 33 ans. Elle a un look très féminin qu'elle cultive en faisant des heures de shopping. Ah bah c'est plus qu'une passion pour Andrea le shopping, c'est presque un défouloir. Je suis engueulade avec mon mari, je vais faire du shopping. J'ai faim, mais je sais pas quoi manger. Je vais faire du shopping, ça me nourrit. Forte de cette expérience, Andrea nourrit de grands espoirs de victoire. D'autant que celle qui se revendique comme parisienne et fière de l'être joue à domicile. C'est tout super joli. J'adore. Non, merci. Oh, bien joué, Andrea. Le petit compliment, là, d'entrée, histoire de se les mettre toutes dans la poche. Mais entre nous, il y en a bien une qui vous a particulièrement tapé dans l'œil. Celle que j'ai remarquée en premier en arrivant au showroom, c'est Angèle. Elle est magnifique. Quoi? Magnifique comme une célèbre actrice française? Elle ressemble à Bérénice Bejo. Et ce n'est pas notre seule vedette cette semaine. Oui, à la gauche de Angèle Bejo, il y a Lisa Longoria. Vous la trouvez comment? Elle est super mignonne, c'est une spéciale star. Ah bah peut-être. Et donc si c'est une spéciale star, vous êtes qui vous? Je suis Michelle Obama. Oui, c'est moins frappant là tout de suite, mais pourquoi pas. Bon, Madame la First Lady Obama, on vous laisse faire connaissance avec les stars de la semaine. Tu nous viens d'où? Alors moi je viens de Paris. Fais un truc. Ah, vous êtes toutes de région, c'est ça? On est du sud. Du sud, ouais. Ah d'accord. Elle vient du sud. Pardon.
Et donc les filles du Sud, elles pensent quoi du look de la Parisienne ? J'aime beaucoup sa tenue, ses bottes avec sa petite robe. Et son perfecto aussi, comme le vôtre. Ah oui, effectivement, c'est une femme de goût. Et André, elle a qu'un défaut, c'est le fait d'être Parisienne. Oh bah vous allez vous faire des copines, vous. Graziella, vous aussi, vous aimez son look, Andrea ? Je lui pique son sac, sans hésiter, et la robe aussi, au passage. Oui, bon, on va peut-être éviter de déshabiller Andrea. Allez, découvrons plutôt votre dernière rivale. Elle est quelque part à Paris, prête pour son shopping. Mais elle a tenu tout de même à se présenter dans un petit message vidéo. Let's go. Hello les filles, je m'appelle Julie, j'ai 31 ans, je suis maman d'une petite fille de 3 ans, je suis paxée à Jonathan, j'habite à Rennes, je suis responsable d'une boutique d'optique et j'ai trop hâte de vous rencontrer. Elle a un super style, hein. Ah, oui, j'adore sa coupe. Pas que sa coupe, rassurez-nous Lisa, elle a un bon look, Julie. Elle envoie du lourd, elle a une forte personnalité, j'ai l'impression, un look vraiment affirmé, assez street, mais féminin, j'aime beaucoup. Limite, elle vous fait peur, non ? Personne ne me fait peur pour la compétition, parce que je suis assez sûre de moi dans la vie. Lisa, la Benjamine, même pas peur. Les autres, vous pensez quoi de Julie ? J'aime beaucoup son style un peu urbaine, street, c'est très sympa. Vous, pour le coup, vous avez peur. Vous la trouvez redoutable, Julie ? Je pense que cette semaine, toutes les candidates sont redoutables. Je suis pas sûre qu'il y ait un jour de la semaine où je sois tranquille. Il y a du niveau cette semaine et c'est tant mieux, car Christina, ce n'est pas n'importe quel thème qu'elle vous a réservé. Il va falloir être à la hauteur, les filles. On le découvre. Vous êtes prêtes ? Oui. Bonjour les filles et bienvenue dans les reines du shopping. Bonjour Christina. Bonjour Christina. C'est un shopping très particulier qui vous attend cette semaine et je me réjouis de voir ça. Votre thème est... moderne pour les jours de votre mariage avec un voile. Ah, c'est génial. Non. Vous allez pouvoir vous amuser avec un budget de 1 500 €. Oh, et avec un chrono de 2h30. Mais c'est magnifique. C'est vrai. Vous aurez 40 minutes pour faire gratuitement votre mise en beauté chez un professionnel. Ah, oui, ah, c'est top ça. J'annoncerai vendredi qui sera la reine du shopping de cette semaine spéciale mariage et qui va remporter la somme de 1 000 €. Yeah, c'est trop bien. Amusez-vous les filles, épatez-moi. Yes. Alors là les filles, là c'est... Ah, c'est un truc de fou. Oh. Donc moderne avec une robe de mariée, avec un voile. Attention les filles, Christina n'a pas forcément parlé de robe. Elle a dit moderne pour le jour de votre mariage avec un voile. Christina, un conseil s'impose. Qui dit voile dit pas forcément robe, si ? On peut se marier aussi en tailleur pantalon blanc, hein. C'est pas mal. Alors là, c'est à vous de choisir un voile pour décaler et donner le côté rock tendance. Ça peut être pas mal. Entendu les filles. Tiens, petit sondage. Qui ici a déjà dit oui ? Moi, je suis déjà mariée, donc... C'est vrai, tu es mariée ? Oui, bah bon, je me suis mariée, j'étais enceinte. Donc... Bah, tu avais quand même peut-être une belle robe. Non, ouais. J'avais une toile de jute. Ah oui, et la toile de jute, bah c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus moderne. Bon, qui d'autre est déjà marié ? Personne ? Mais il vous plaît quand même ce thème, les filles ? Bonne surprise, parce que j'adore les défis, les challenges, et j'ai jamais essayé de robe de mariée de ma vie. Ah bah si, quand vous vous êtes mariée avec Tony Parker, on plaisante. Et vous, Angèle, bonne surprise ce thème ou pas ? Ouais, écoute, on va faire avec. Donc bof, la surprise, on a compris. Graziella, plus enthousiaste, ce sera pas dur. Moi, en tout cas, le thème me convient parfaitement bien. Juste un petit bémol sur l'histoire du voile. Et l'histoire du moderne aussi. Ah oui, ça fait beaucoup de bémols quand même. En tout cas, le voile fait débat au showroom. Le voile, ça m'inspire pas du tout. Est-ce qu'il faut qu'il soit long ou est-ce qu'il faut qu'il soit court ? Bah, moderne, dans tous les cas, moderne, donc... Est-ce que c'est moderne ? Bah, un voile, c'est pas très moderne, en fait. C'est ça. Ah, ça dépend aussi, il y a les modèles. Hein. Bah, le voile est impératif, de toute façon. Il fait partie du thème. Ah ça, on vous le confirme. Mais rassurez-vous, les filles, le voile offre de nombreuses possibilités. N'est-ce pas, Christina ? Il y a plusieurs types de voiles. Hein. Le court, le long, en dentelle, brodé, avec des perles, avec des petits brillants. On peut lui poser en haut de la tête, mais aussi en bas de la tête, à côté d'un chignon. On peut aussi utiliser le voile pour couvrir le visage et qu'après, on enlève, c'est très joli. Pour être moderne, avec quel style de tenue le porter ? Le voile, on peut l'utiliser avec plusieurs styles de robes de mariée, comme par exemple la robe de mariée bohème,
la classique, la épurée. On peut aussi choisir des robes de mariée courtes, pourquoi pas? Et si vous êtes petite, c'est pour vous. Et visiblement, ça va vous inspirer, puisque cette semaine, l'une d'entre vous aura carrément droit à un 18 sur 20. Il faut dire que toutes les filles vont se prêter au jeu. Et un vent de romantisme et d'amour soufflera sur la compétition. C'est qui la mariée? C'est moi. J'attends plus que la demande. Belle maman, venez. J'arrive. Ça y est, c'est la belle maman. Bah, c'est un trop plein d'émotions. Là, je craque complètement, en fait. Oh, mon Dieu! Ça me fait tout drôle, en fait. Mais tu me rends de mariée. Je suis trop émue. Ah, ça y est, toutes les filles pleurent. Sortez les mouchoirs! Pour l'heure, c'est Julie qui va ouvrir le bal. Mais avant de la retrouver dans Paris, direction Rennes, chez elle, pour une visite guidée de son dressing. Hello, bienvenue à la maison. Je vais vous montrer mon dressing, vous venez avec moi? Bonjour Julie. C'est bien rangé, dis donc. Bah oui, dis donc. On sait donc que vous êtes ordonnée, Julie. Qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre? Je suis maman d'une petite fille de 3 ans qui s'appelle Jade. Avec un enfant, comme moi. Oh, les mamans comme moi. Oh, trop mignonne, j'adore. Oh, mais c'est trop mignon. Une team maman ne serait pas en train de se former là sous nos yeux? Et une team femme mariée aussi peut-être, Julie? Je suis paxée à Jonathan et ça va faire 9 ans du coup qu'on est ensemble. Très bien. Il faut qu'il la marie. Prochaine étape, c'est le mariage. Jonathan, regarde ta future femme. Jonathan, si vous nous regardez, grosse pression. Hein. Allez, parlons style. Après tout, on est là pour ça. Vous le définissez comment, le vôtre, Julie? Alors, masculin, féminin. Ah, bah c'est bien ce que je disais, j'ai du flair. Oui, enfin, un masculin, féminin, ce n'est pas exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. Elle a un style assez street, mais féminin. Et donc, les filles, le look masculin, féminin de Julie, vous aimez? Moi aussi, j'aime bien ce look-là. On peut être très féminine habillée en masculin. Grande citation, ça. Oh, c'est beau ce que vous dites, Angèle. Pardon, Julie, vous voulez ajouter quelque chose? Je pourrais rajouter peut-être un troisième mot, c'est vraiment le confort. Voilà, on est en 2019, donc c'est girl power. Oui, girl power, brune power, en fait. C'est vrai que cette semaine, il n'y a pas une blonde à l'horizon. Et tu peux aussi avoir le Lisa power. Ah, et définition du Lisa power? Alors là, c'est beaucoup de glamour, de tapis rouge et de cannes. Et de talons, donc. Pas sûr que ce soit la notion du confort selon Julie. Vous êtes plutôt talons hauts ou plats, Julie? Moi, c'est 5 à 6 cm. Oh, c'est ma copine! Moi aussi, 5 à 6 cm. C'est pas comme... Pas comme nous, ça c'est sûr. À vous parler de qui? Lisa. Lisa, elle, ses talons comme ça. Je la respecte aussi. Effectivement, on a vu tout à l'heure que Lisa, notre jeune canoise, elle était très talon haut. Et on n'est pas au bout de nos surprises. Vous, Christina, le petit talon, vous validez ou pas? Le petit talon, c'est très bien, hein, et on peut être super stylé avec des petits talons, ma chérie. Et c'est vrai qu'on est plus confortable. Hein. Et pour être stylé en petit talon, Julie, vous portez quoi au quotidien? Alors, ma pièce fétiche dans mon dressing, ce sont les vestes. J'adore ça parce que je trouve qu'en effet, on peut être habillé des pièces les plus simples au monde sur lesquelles on va poser notre veste et qui va définir totalement le look que vous voulez donner à votre tenue. J'adore les vestes aussi. Ah bah, vous avez au moins un point commun. Julie, montrez-nous une de vos vestes préférées. Une veste ultra girl power. C'est une pièce qui est très confortable. Avec une basket ou une bottine, c'est parfait. Je l'ai à la maison aussi, donc... Notre parisienne valide. Et vous, Angèle, qui est très blouson en cuir, vous avez le même? C'est le modèle actuel tendance à avoir, mais j'aurais pris une autre couleur que noir. Dit-elle tout de noir vêtu. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et notre mannequin, elle apprécie la veste en cuir noir? C'est pas mon style de veste. Ceci dit, je suis persuadée qu'elle le portera bien. Ah, le classique, j'aime pas, mais ça lui va. Bon, Christina, ce manteau, vous le trouvez comment? Il est sympa, le manteau. C'est d'une jolie matière, en plus. Pas mal. Eh bien, elle a tout bon pour l'instant, Julie. En même temps, logique, vu que... J'ai été responsable d'un prêt-à-porter pendant 8 ans. Elle a quand même un sacré avantage, hein, si elle a travaillé dans la mode. On sent qu'elle commence à avoir les chocottes, notre Lisa Longoria. Surtout qu'elle a d'autres atouts cachés, Julie. J'ai un compte sur les réseaux sociaux qui compte 6200 abonnés. Waouh, pas mal, hein. Alors les filles, Julie, influenceuse, même pas mal? Je pense que influenceuse égale, je m'y connais à fond dans la mode, je sais ce qui me va. Oui, elle va nous faire mal, les filles. En même temps, si on vous a bien suivi, elles vous font toute peur. Il n'y a que des concurrentes redoutables cette semaine. C'est ce qu'on va voir. En attendant, Julie, montrez-nous avec quoi vous portez toutes vos vestes. Ce que j'adore porter avec mes vestes, ça va être les jeans mom. On est vraiment sur une coupe qui est taille haute, donc pour ma silhouette, c'est parfait. Pourquoi la couper comme ça?
Je l'ai coupé en bas parce que je ne suis pas grande. C'est sympa d'avoir coupé en bas. En bas de jean effiloché, c'est à la mode, les filles. Les filles, vous, le jean mom, c'est votre truc? Je n'aime pas du tout cette coupe. Après, sur elle, ça peut aller peut-être. Ah bah apparemment, c'est contagieux, le j'aime pas, mais ça lui va. Un avis un peu plus tranché avec Andrea, peut-être? Vous aimez? Non, en plus, c'est plus tendance du tout. C'est l'année dernière ou l'année d'avant. Traitez Julie de ringarde tant que vous y êtes. Christina, c'est toujours tendance le jean mom ou pas? Vous aimez? J'aime bien le jean mom. C'est un jean qui a tendance en ce moment. Et si elle a une taille marquée, c'est très bien pour elle parce que voilà, le jean, il vient jusqu'à la taille. Eh bien, quel succès! Tout ce que nous a montré Julie, vous l'avez validé, Christina. Pourvu que ça continue avec sa tenue. Ok, ma belle, montre-moi ta tenue préférée. Swish, swish, bish. Le style pour cette tenue, c'est vraiment masculin-féminin par excellence, donc ça me caractérise parfaitement. Parfait. Ouais, le look top. Mais Julie, je vais venir chez toi, je vais te piquer ton dressing. Mais ça va pas, Angèle. Commandement des reines du shopping, le dressing des copines, tu ne piqueras point. Les autres, cette tenue? Elle est super, cette tenue. En fait, j'adore cette imprimée, moi. J'aime beaucoup la veste. C'est quelque chose que moi, je pourrais porter. Et vous, Andrea, qui n'aimez rien pour l'instant chez Julie, ça a vous aimé? Là, j'aime bien. C'est très, très beau. Ça lui va très bien. C'est sûr, elle va nous taper le pantalon pour le mariage. Tu vas voir. Suspense. Christina, cette tenue, vous? Alors, j'aime bien le tailleur pantalon à carreaux. Je trouve ça sympa. Décalé avec son t-shirt, je trouve ça sympa. Décalé avec les baskets, c'est pas mal. Eh bien, le sans-faute continue pourvu que ça dure, Julie, à la salle de bain. Alors, c'est quoi votre astuce beauté? Alors, mon astuce beauté, ça va vraiment être d'apporter de la lumière au visage après avoir effectué mon maquillage. Tout un programme. Allez-y. Je vais commencer par mettre de l'highlighter au niveau de mon arête nasale, sur la commissure des lèvres, sur le haut des pommettes et au niveau de mon arcade sourcilière. Et j'estompe. Bien selon vous, les filles? Pas de commentaires sur le maquillage, je suis pas douée. C'est pas grave. Cette semaine, ce n'est pas grave. Oui, spécial mariage oblige, ce sont des professionnels qui vont s'occuper de vous. Bon, notre mannequin qui a l'habitude de se faire maquiller, elle doit savoir si Julie fait bien. C'est exactement là où il faut mettre. Elle a tout compris, en fait. Très bien, Julie. Tu as mis les highlights vraiment dans les bons endroits. Bravo, je valide. Ce qui n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas, Christina? Alors, les highlights, les filles, c'est léger. On va pas être une boule à facettes, hein. Attention, il faut faire comme Julie. Décidément, elle a tout bon, notre jeune maman. Vous pensez qu'elle a toutes ses chances de relever le défi de cette semaine spéciale mariage? J'espère que Julie va aimer le thème, hein. Aïe, 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 on va voir. On va voir ça dans un instant. Les filles, vous en dites quoi? Ça devrait pas être difficile pour Julie d'être moderne le jour de son mariage avec un voile, si? Moi, je pense que sa difficulté, ça va être d'être un peu plus féminine, de sortir de son côté masculin. Moi, je pense qu'elle est quand même bonne dans les associations, donc elle peut nous surprendre. Hein. Tout à fait. Moi, je m'inquiète. Quand elle va apprendre le thème, je pense qu'elle va faire la grimace. Ouais, Andrea, on se rassure comme on peut. Alors, grimace ou pas, on va vite le savoir puisqu'il est temps de retrouver Julie à Paris. Pour le moment, elle ne sait rien. Rien du thème, rien du budget. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle va faire son shopping seule. C'est ce qu'elle a décidé. Alors Julie, ça va? Vous vous sentez comment? Je me sens super stressée aujourd'hui. Je suis la première à passer de la semaine. Ah là là! Oui, en revanche, vous êtes la dernière à ne pas encore connaître le thème de la semaine. Avant de le découvrir, une envie en particulier? Le thème dont je rêverais, ça serait un thème genre masculin-féminin. Pourquoi pas un style allié à des baskets, ce serait top. Aïe, 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 je crois que tu vas être surprise, ma belle. Alors là, ma chérie, quand tu vas découvrir le thème, tu vas être encore plus choquée que nous. Eh bien, le choc, c'est maintenant. Allez, Julie, on prend la tablette, on respire un bon coup et on y va. Let's go. C'est un shopping très particulier qui vous attend cette semaine. Ouh. Votre thème est... moderne pour les jours de votre mariage avec un voile. Ok. Oh, c'est un petit ok, mais attendez de voir la suite. Vous allez pouvoir vous amuser avec un budget de 1500 euros. Cool. Vous aurez 40 minutes pour faire gratuitement votre mise en beauté chez un professionnel. Merci, Christina. Alors, heureuse? Clairement, j'avais pas l'intention de me marier demain, mais c'est pas grave. Voilà, je suis une challengeuse, donc ça me fait pas peur. Après, qui dit mariage dit pas basket.
Ah non, mais je suis d'accord avec elle, on se marie pas en basket. Oh bah bien sûr que non, hein, Christina. Attention que tu peux te marier en basket, hein. Tu peux avoir une très jolie robe de mariée, peut-être courte, sympa, extravagante, et que tu décales avec des baskets, c'est rock, hein, attention, hein. On peut faire ce qu'on veut pour notre mariage. S'il y a peut-être une candidate qui peut nous le faire cette semaine en basket, c'est Julie. On ne sait pas si Julie, notre influenceuse, va oser les baskets, mais en tout cas, elle va faire des essayages qui vont en surprendre plus d'une. Tu te marierais comme ça ? L'idée, elle est top, elle a raison. Ok, original. Bon, en revanche, Christina n'a pas sélectionné de basket comme pièce à choper, mais cette paire de sandales nude. Si Julie venait à la repérer et à l'acheter, elle aurait la bonne surprise de découvrir en caisse que celle-ci lui serait offerte. Donc Julie, le voile, on en parle du voile ? Le voile, je redoute un peu avec ma coupe de cheveux. Ah ben, avec ta coupe de cheveux, j'y ai pensé, ça va être rock'n'roll. Le voile, c'est compliqué quand même. Oh, bah on n'est pas très optimiste dans le sud, on a connu mieux comme soutien. Allez Julie, n'écoutez pas les mauvaises langues, nous on y croit. Hein, on y croit, Christina. C'est tout à fait possible, ma chérie, de porter un voile avec la coupe de cheveux courte, hein. D'autant que le thème c'est moderne, donc girl power, Julie. Ça va le faire, non? Je me sens prête, on y va, de toute façon on n'a pas le choix, donc girl power, c'est parti. Et avant d'y aller, on récapitule. Bon, alors du coup, c'est parti. J'ai 2h30, un budget de 1 500 € pour être moderne le jour de mon mariage avec un voile. Let's go! Let's go! Allez, let's go! Et let's go pas trop loin, puisque votre première adresse, la voici. Alors? Oulala, mystère et boule de gomme. Je pense que c'est plutôt un showroom ou un truc comme ça. Oh, c'est un truc showroom. Oh, trop la chance! Et oui, pour cette semaine spéciale mariage, on vous a déniché les adresses les plus secrètes de la capitale. Bonjour! Alors, je vois qu'il n'y a pas de robe princesse là-dedans. En même temps, le thème Gradiella, c'est moderne avec un voile, pas princesse avec un voile. Une petite idée, Julie, de ce que vous aimeriez ? Alors déjà, j'ai une idée de base, c'est une veste de smoking. Une veste smoking, c'est pas mal, hein, ma chérie, hein, pour le mariage. Vous avez ça en magasin, mademoiselle ? Trop bien. Alors, du coup, moi, ça, déjà, je vais l'essayer. Ok, et quoi d'autre ? Et bon, bah, je veux bien essayer ça, c'est beau. Alors, en cabine. Trop bien. Ouais, déjà, la chanson n'est pas moderne. On va pas mettre celle-ci. Hein. Ah bon, il faudrait mettre quoi ? La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es mémérisante. Ah oui, et le thème n'étant pas mémère le jour de son mariage avec un voile. Bon, qui pour la trouver moderne cette robe ? Vous, classique Gradiella, peut-être ? La robe est moderne, elle est moderne cette robe. Mais elle a un côté un peu vieillot. Moderne mais vieillot. Bah vous n'êtes pas à une contradiction près de vous. Bon, Julie, vous la trouvez comment cette robe ? J'aime beaucoup cette robe pour le côté bimatière, dentelle et le côté cintré de la taille. Et puis le petit détail un peu sexy, glamour de la fente. Oula, on a une parisienne bouche bée. On sait pas bien ce que ça veut dire. Qu'est-ce que pense Andrea de cette robe ? Logiquement du bien. Oui, on verra mercredi les robes. Elle adore ça. Mon truc, c'est les robes. J'en mets tout le temps. Je trouve que ça skie sur le corps d'une femme, c'est ce qui est le plus joli. Alors Andrea, cette robe sexy, ça lui sied bien, Julie ? Vous aimez ? Non, j'aime pas du tout. C'est trop de matière. Les bras en dentelle, c'est pas moderne du tout. Oh bah pourtant, c'est un peu ce que vous portez aujourd'hui quand même, non ? Vous aussi, c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ? Bon, demandons un avis d'experte. Christina, cette robe. Alors ça, c'est pas l'idéal pour Julie. Ça aplatit sa poitrine. Il faut plus de légèreté, en fait, pour elle. Si vous avez une petite poitrine, ce genre de robe, ce n'est pas pour vous. Hein. Ah, du coup, vous verriez quel genre de robe pour Julie ? Pour Julie, je prendrais quelque chose de plus dégagé. Faut plus dégager sa poitrine. Ça, c'est un joli décolleté pour elle, avec des fines bretelles. Elle a une petite poitrine, elle a des petites épaules, et ça va être plus léger. Et le voile, l'une des pièces essentielles pour le thème, vous le trouvez comment, Christina ? Long comme ça, là. J'aime bien le voile, mais faut ouvrir le voile et tomber un peu plus sur les épaules. Les filles, ce voile, vous validez ? Bah, je le trouve simple, mais en même temps élégant. Je trouve qu'il se marie bien avec la robe. Et votre chérie Julie, Jonathan, il dirait quoi de vous voir comme ça, là ? Alors si Jonathan me voit là, comme ça, qui m'a pas encore demandé en mariage, clairement, il y a un problème. Jonathan, t'as la pression toi aussi, hein ? Oh bah vous lui avez déjà un peu mis tout à l'heure, Angèle, hein ? Prochaine étape, c'est le mariage, Jonathan. Regarde ta future femme. Allez Julie, donnez envie à Jonathan de faire sa demande. Deuxième tenue.
changement de registre, n'est-ce pas? C'est plus vous, ce look, peut-être? En termes de look, on est sur quelque chose d'assez masculin-féminin, parce qu'on est sur une combi pantalon. Donc, ça me correspond. Vous pensez que ça peut correspondre au thème? C'est moderne? Alors là, on serait sur un mariage au thème hyper moderne, un peu à la Solange Knowles. What? Solange Knowles? C'est qui? C'est quoi? On sait pas qui c'est. Est-ce qu'on peut nous souffler dans l'oreillette? C'est... Ah! Solange Knowles! C'est la sœur de Beyoncé. Effectivement, il n'y a pas à dire, Julie, votre combi est très ressemblante. Alors maintenant, est-ce que c'est dans le thème, Lisa? Je trouve ça moderne, mais on a dit robe. Donc, est-ce qu'elle est dans le thème? Lisa, jamais Christina n'a dit robe. Elle a dit moderne pour le jour de son mariage avec un voile. Elle a même dit ça. On peut se marier aussi en tailleur pantalon blanc, hein. C'est pas mal. Ok, Lisa. Bon, qui pour valider cette combi au showroom? Oh, ça lui va super bien, là. Non, mais faut que tu prennes ça, faut que tu prennes la combi. Non, mais y a pas de doute. C'est bon, prends la combi. Oh, elle est sûre d'elle, là, notre mannequin. Et Bérénice Bejo, enfin Angèle. L'idée de la combi comme ça est bonne. Un coup de cœur quand même pour celle-ci. Coup de cœur partagé, Christina. J'aime bien l'idée d'une combinaison, mais elle est engloutie, c'est trop grand pour elle, ça finit pas sa taille, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grand. Du coup, c'est un grand non. Et au voile, on dit oui, non? Ce qui est bien avec ce voile-là, c'est qu'on a le côté voile plus le côté traîne. Ah oui, très. Tan, tan, tadam. N'est-ce pas, Angèle? Moi, le voile comme ça, je suis pas fan. Ça fait Marie Chantal à bloc, quoi. Ça fait trop tradi. Toutes les Marie Chantal qui nous regardent apprécieront. Bon, si c'est tradi, ça devrait plaire à Andrea. Bah oui, le mariage, elle l'aime traditionnel. Il faut qu'il la marie. On se marie pas en basket. Donc le voile tradi, Andrea, vous validez? Ça, je trouve ça bien, le voile. Le voile relevé comme ça, c'est romantique. Romantique, certes, mais il faut que ce soit moderne, hein, n'oubliez pas. Christina, ce voile pour le thème. Il est pas mal, le voile, hein. On peut utiliser le voile pour couvrir le visage et qu'après, on enlève, c'est très joli. Pas mal. Bah oui, et puis vous qui vouliez que le voile tombe sur ses épaules, là, vous êtes servi. Et les prix, ils sont comment? Alors, pour le voile, t'es à 250€ et pour la combinaison, t'es à 1055€. Dans le budget, donc. Que fait-on, Julie? Est-ce que je pourrais avoir mon chrono, s'il vous plaît? 2h06. Je trouve que c'est raisonnable. Continue comme ça. C'est ce qu'elle fait puisqu'elle est repartie en cabine. Et elle en ressort comme ça. Hey, hey, hey. Bon, bon, bon. Tout est vraiment bon, bon, bon dans cette robe? Ce que j'adore, c'est qu'elle marque vraiment hyper bien ma taille. Le voile, on rajoute un petit peu de dentelle pour un côté un petit peu plus sophistiqué. Christina, qu'est-ce que tu penses de cette tenue? Est-ce qu'elle pourrait être dans le thème? Alors moi, je trouve ça mignon. Moi, je trouve quelque chose de court. Je trouve ça très sympa. C'est une jupe qui lui va à merveille. Je trouve ça moderne, vraiment. Et avec une tenue comme ça, elle peut décaler avec des baskets, hein, pourquoi pas, hein. Ça peut être sympa. Alors Julie, aura-t-elle l'audace de tenter les baskets pour son mariage? On verra ça tout à l'heure. Sinon, le voile, sympa aussi? En fait, le voile court, je trouve ça bien pour ce type de robe. Mais je les vois un peu plus volumineux quand même. Qui prennent plus sur les côtés comme ça, ça peut être super sympa. Voile court, validé par notre experte. Espérons pour Julie qu'au showroom, ce soit la même musique. Chaud, 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 chocolat. Non mais, la même musique, Lisa, c'est une expression, hein. Mais bon, on verra cette semaine qu'avec vous, toutes les occasions sont bonnes pour la pousser, la chansonnette. Libéré, délivré. Le shopping à Paris, c'est vraiment, vraiment la folie. Suite de votre tour de chant, certainement plus tard. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez de cette tenue de mariée. J'ai la même jupe dans mon dressing et je peux la mettre à un cocktail, mais pas à un mariage. En tout cas, je suis rassurée. On va pas gagner. Ça sera pas l'arrêt. Oh, mais c'est que la Parisienne se révèle hyper compète. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Julie? On essaye autre chose? Et vite, hein, plus qu'une heure 44. Ah, enfin la fameuse veste de smoking. Alors, verdict? J'adore. La taille de la veste, elle est parfaite parce qu'elle cintre bien ma taille. Le dos nu, clairement, on est d'accord, pas de soutien-gorge. J'ai un peu de hanche, donc le côté bootcut en bas, c'est très bien. Alors là, si je suis pas moderne, franchement... Oui, comme a dit Andrea, qu'il faut croire est un peu voyante. C'est sûr, elle va nous taper le pantalon pour le mariage. Alors Andrea, ce pantalon? Le pantalon? Oui, le pantalon, mais encore? Elle a mis des rideaux. Les rideaux de mes mères, là, tu sais, il y a de fringues. C'est trop laid. Ah oui, compète et directe, la Parisienne. Elle fait pas dans la dentelle. Angèle, vous pensez quoi, vous, de l'idée de Julie pour le thème?
L'idée, elle est top, elle a raison. Oh, moi, je trouve ça moderne, oui. Alors, c'est son style. Charlie, elle pourrait même porter une petite paire de baskets blanches avec. Hein. Ça passerait super bien. Les baskets, on n'y est pas encore. Lisa, vous qui aimez le glamour, elle doit vous plaire, cette tenue avec le dos nu. Ah non ? La veste, on dirait qu'elle fait 3 fois sa taille. Elle est trop longue. Il y a de la dentelle, il y a du transparent, il y a du dos nu. C'est trop. C'est même plus too much, c'est too moche, quoi. Très bonne vanne, Lisa. Christina, elle n'est pas too much et too moche, cette tenue. Vous en pensez quoi ? Alors, j'aime bien la veste, mais elle m'a l'air un peu grande pour Julie. Hein. L'idée d'un pantalon vaporeux, ça peut être bien, mais je ne suis pas très fan de ce modèle-là. La dentelle, elle est, je sais pas, elle est trop large. Et le voile ? J'aime bien l'idée du voile, mais je poserai peut-être un peu plus haut, comme ça. Il est posé un peu plus haut de la tête et on l'ouvre sur les épaules. Il y a plus d'aisance, ça sera plus joli. Le coiffeur lui arrangera peut-être ça tout à l'heure. Enfin, si elle prend cette tenue, parce que pour l'heure, à 1h26 de la fin de son chrono, Julie est repartie en cabine. Alors... Dites-nous. Donc, un combi short de mariage. Ah bah c'est un concept. Au niveau du style, on est vraiment pile dans le style que j'adore, masculin-féminin. Le voile est magnifique, on est sur un voile à rabat. Il y a vraiment quelque chose d'original dans cette tenue qu'il faut absolument assumer. Ok, original. Ça rit jaune du côté de Paris. Original, mais... Mais c'est moche, arrête. Tu vas te coucher. C'est vraiment pas une tenue de mariage. Donc trop original pour la parisienne. Tu te marierais comme ça ? Pas assez glamour pour vous, c'est ça, Lisa ? Et pour notre adepte du style bobo, Angèle ? Je pense que c'est peut-être la tenue que j'aime le moins. Je la trouve trop simple. Simple, mais pas efficace. Christina, vous pensez quoi, vous, de l'idée de se marier en short ? Alors, se marier en short, c'est pas mal non plus. Bonne idée. Mais, ça sent le mais. Le décolleté, il n'est pas vraiment mis en valeur. Quand on est A, il faut structurer les épaules pour équilibrer avec les bas. Il est bien, le voile. Le problème pour moi, c'est sa combi short. Ça ne va pas pour sa morphologie. Elle n'est pas à son avantage. Je ne suis pas fan de cette tenue pour elle. La tenue la plus jolie qu'elle essayait, c'était la petite jupe. Hein. Notre experte voit Julie en mini-jupe. Et vous, les filles, vous la voyez plutôt comment ? Alors moi, la tenue que j'ai bien aimée, c'est la combinaison. Short ou longue ? Longue. Voilà, pantalon, je suis d'accord avec toi sur la combi longue. Totalement d'accord aussi. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord. Au showroom, on est plus combi-pantalon. C'est donc 2 salles de mariage. Bon, Julie, on veut pas vous mettre la pression là, mais plus qu'1h08, on fait quoi ? On fait une déclaration à Jonathan ? Ah bah, allez-y. Si j'avais un petit discours très rapide à faire à Jonathan le jour de notre mariage, ça serait bien évidemment que je l'aime et qu'il m'a offert la plus belle chose de mon existence, qui est notre petite fille, Jadou. Oh, c'est le moment sentiment. Vous êtes très émotive. On verra ça mercredi, Andrea. Julie, pourquoi vous pleurez ? Bah, c'est un trop plein d'émotions. Oh, mais non, pleure pas, c'est un jour heureux. Je pense à le shopping, tout ça, le thème qui me touche énormément. Et puis, il manque forcément. Oh là là, ma chérie. Mais ils sont fiers en train de te regarder, Julie. Et Jadou et Jonathan seront encore plus fiers si vous réussissez à tout acheter dans les temps. Allez, Julie, on se ressaisit, on passe en caisse. Du coup, je te dois combien ? Alors du coup, c'est 1205 euros. D'accord. Pour sa tenue et son voile, Julie dépense 1205 euros. Il ne lui reste donc que 295 euros pour acheter ses chaussures, ses bijoux et son bouquet. Pas lourd. Alors parmi toutes les tenues très différentes qu'elle a essayées, laquelle a-t-elle bien pu choisir ? Suspense. J'ai une petite chose pour toi encore. Ah, les enveloppes, oui ! Ah, vous dites oui, vous ? Bon bah, oui, celles qui peuvent lui faire gagner ou perdre du temps ou de l'argent. Allez, prends. Ouais, à 57 minutes de la fin du chrono, on n'est pas certain que ce soit un conseil d'ami que vous lui donnez là. Vous faites quoi, Julie ? 57 minutes, je prends pas du tout le risque. Ne prends pas, ne risque pas, c'est pour ton mariage, on ne prend pas de risque le jour de son mariage. Bah oui, d'autant qu'elle a encore des chaussures, des bijoux et le bouquet de la mariée à trouver. Allez, on y va, Julie ? On y va, girl power, let's go ! Ok, on y va ! Et on arrive ici à la première boutique de chaussures imposées. Alors, ça vous plaît ? Trop belle boutique, magnifique. Elle m'a l'air inspirante, cette petite boutique. Et c'est une accro au talon qui parle. D'ailleurs, si nous aussi, on a envie de faire un tour dans cette boutique inspirante, Christina, on fait comment ? Tous nos boutiques spéciales mariage, vous pouvez trouver les adresses sur Sisplay. Revenons à cette boutique potentiellement inspirante. En tout cas, elle vous a inspiré, Christina. Parce que là...
là, nous avons ma pièce à choper. Et c'est des sandales qui vont très bien avec une tenue de mariée. Et si Julie les repère et les achète, elles lui seront offertes. Et vu le budget qui lui reste, ce serait une très bonne opération. Bonjour. Bonjour. Je suis Julie pour les Reines du Shopping. Enchantée, Julie. Enchantée. Julie, expliquez à monsieur ce que vous cherchez. Je recherche une paire dans les teintes claires, ouvertes, à talons. Oh là là, mais c'est la description exacte de la pièce à choper, ça. Ça sent bon. Alors ? Alors, du coup, j'aime bien, par exemple, ça. Oh là 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 là, ma pièce à choper. Ça, je veux bien essayer pour voir ce que ça donne à mon pied. Eh ben, voyons alors. Première paire. Oh, et quelle paire, la fameuse pièce à choper. Espérons qu'elle aime notre Bretonne. Alors, Julie ? La découpe est assez jolie, elles sont très raffinées, elles sont très dans l'air du temps. Le côté vernis nude, c'est magnifique. Pas trop haut pour vous, ça ? C'est quand même au-delà des 6 cm. Le talon est très haut, mais bizarrement, ça va. Eh ben, celle pour qui ça doit aller aussi, c'est Lisa, notre fan de talons. J'aime bien le talon, il est très joli. La couleur nude, je trouve ça très joli, mais ce n'est pas moderne. Ah bon ? C'est du vu et déjà vu. Et du revu et déjà vu. Ah, et pas de Lisa Power, c'est ça. Andrea, vous les trouvez comment, vous ? Elles sont jolies. J'aime bien. Non ! Un compliment de vous, Andrea. Vous aimez ces chaussures ? Elles sont pas super modernes non plus, mais elles sont jolies. Ah, on se disait aussi, madame, je n'aime rien. Non, j'aime pas du tout. C'est trop laid. Mais c'est moche, arrête ! Bon, Christina, on vous demande pas si vous aimez, hein, c'est votre pièce à choper. Mais est-ce que ça irait avec les tenues qu'elle a essayées, Julie ? Bah oui, nude, ça va avec tout, le talon il est beau. C'est des très jolies sandales. Hein. Toutes les pièces qu'elle a choisies dans la boutique de robe de mariée, cette sandale, elle va. Hein. Du coup, on prend ça, Julie ? Ah bah non, on essaye autre chose. Qu'est-ce qui vous plaît, là ? Ce qui me plaît dans cette paire de chaussures, c'est vraiment le côté couleur peau, pour ma peau, en tout cas à moi. La couleur, c'est vous. Le style, en revanche ? C'est tout sauf moi, mais ça me sort de ma zone de confort en même temps, c'est hyper féminin. Après, ouais, est-ce que c'est pas too much, justement ? That is the question. Christina, ce style de chaussure, ça irait avec une tenue de mariée ? Moi, je suis pas fan du tout de cette sandale, je trouve pas moderne. Avec une robe de mariée, bah ça va pas. Pour moi, cette sandale-là, elle est hors thème. Hein. Ça n'a rien à voir avec mariage. Hein. Oula, avec ces chaussures, aucune chance d'obtenir le point bonus de notre experte. Et pour vous, les filles, ça passerait ? Moi, je la vois bien avec cette paire de chaussures. Moi, j'ai vraiment une préférence pour les sandales nude. Je trouve que les autres cloutées, elles sont sympas, mais pas du tout dans le contexte d'un mariage. Alors, que va prendre Julie ? Apparemment, son choix est fait à 33 minutes de la fin, direction la caisse. Alors, pièce à choper ou pas ? C'est bon. Donc, du coup, je vous dois combien, alors ? 169, s'il vous plaît, Julie. OK. Donc, c'était pas la pièce à choper. Ah là là, Julie, t'as passé à côté, hein ? Mais oui. Et du coup, adieu donc la paire offerte. Julie doit payer la somme de 169 €. Il lui reste donc 126 € pour ses bijoux et son bouquet. Et au revoir. Au revoir, Julie. Julie, 31 minutes. On fait quoi maintenant ? Direction la boutique d'accessoires, let's go. Allez, on passe à l'accessoire. Bonjour. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? J'aimerais avoir une belle paire de boucles d'oreilles dorées et une bague. Et on commence par ces boucles d'oreilles. Alors ? Ces boucles d'oreilles, je les trouve très jolies. Elles ont un côté très moderne. On en voit beaucoup en ce moment. C'est féminin. Ça en fait pas trop non plus. Christina, c'est un bon choix pour aller avec une tenue de mariée, ce style de boucles d'oreilles ? Je suis pas très fan du modèle. Par rapport à ce qu'elle a essayé, ça ne va pas, c'est trop sport. Ça manque de sophistication. Oui, même si Julie a essayé des tenues de mariée assez originales, notre experte attend d'elle des bijoux plus raffinés. Du coup, on va peut-être en essayer d'autres, hein, des boucles d'oreilles. Ah bah non. En attendant que Jonathan lui passe la bague au doigt, Julie en essaye une de bague. Pourquoi celle-ci ? Alors, ce que j'aime dans cette bague, c'est le côté martelé. Ça donne du relief et du coup, la lumière est différente. Oui, bah vu la moue de notre experte, c'est pas une idée lumineuse. Alors là, par contre, je prendrai pas la bague. Parce que je trouve qu'elle fait trop fantaisie. En plus, tu vas porter l'alliance, tout ça. Il vaut mieux prendre un joli bracelet tout léger qu'une bague. Hein. Donc, pour résumer, Christina, vous n'aimez ni les boucles d'oreilles ni la bague. Et vous, les filles ? Alors moi, le concept de la bague, j'ai pas compris.
Tu te maries, ma fille. C'est ça. Laisse la place. La place. Et les boucles d'oreilles, elles vous ont plu? Moi, j'ai eu un coup de cœur pour les boucles d'oreilles. Moi aussi. Je trouve que c'est un symbole de l'alliance qui se croise. Voilà. Les créoles, c'est juste sublime. C'est vrai, c'est très joli. Mais c'est ce que vous dites qui est joli, les filles. Cette métaphore des alliances qui se croisent, oh. Oui, mais là, plus le temps de philosopher, hein, plus que 15 minutes. Julie passe en caisse. Bon, c'est bon, du coup, je vous dois combien, madame? Alors, ça fera 75 euros, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Appa, tenez. Merci. Pour son ou ses bijoux, Julie dépense 75 euros. Il lui reste 51 euros pour pouvoir acheter son bouquet. On fonce au bouquet. Il me reste combien de temps? 13 minutes. Ok, let's go, on y va, il n'y a pas le temps à perdre. Allez, le bouquet, on y va! Et on arrive chez le fleuriste que voici. Bonjour monsieur. Je suis désolée, je vous mets un peu la pression, il me reste très peu de temps. Ça marche. En fait, je suis Julie pour les Reines du Shopping, donc je suis là pour avoir un bouquet pour le jour de mon mariage. Vous voulez quoi pour être moderne le jour de votre mariage? J'aimerais avoir un bouquet de roses ivoire. J'aurais mis un peu de couleur, moi, dans le bouquet. Oh bah vous pourrez sur la couleur vendredi, le jour de votre shopping, Angèle. Christina, un bouquet de roses blanches, trop classique pour le thème? Bah les roses blanches, c'est chic, hein. Pour un mariage, c'est très beau. Les filles, les bouquets de fleurs blanches, c'est très chic hein, pour un mariage. Hein. Là, ce qui serait chic, c'est de se dépêcher un peu en revanche. Du coup, je peux avoir mon chrono, s'il vous plaît? Plus que 9 minutes. 9 minutes, monsieur, est-ce que je peux vous payer? Et après, vous faites le bouquet. Allez, et ça va aller pour vous? Pas de problème. Je vous dois combien, du coup? 35 euros, s'il vous plaît. En s'offrant des fleurs à 35 euros, Julie termine son shopping avec 16 euros en poche. Bon, monsieur, vous en êtes où, là? Plus que 3 minutes 40. Alors voilà, votre bouquet est prêt. Qu'est-ce qu'il est beau. Merci. Et ça sera bien livré au showroom ce soir. Ok, bah merci beaucoup monsieur. À bientôt. À bientôt, au revoir. Et Julie, vous terminez en ayant tout acheté et à 3 minutes de la fin. Ok, je termine à 3 minutes de la fin, c'est trop cool. Oh, t'as trop géré, bravo. Franchement, bravo. Mais ce n'est pas terminé car il reste encore la coiffure et le maquillage à gérer. Alors, direction l'Institut de beauté. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir tout le monde. On vous présente Julie qui a besoin d'une mise en beauté de mariée pour être moderne avec un voile. Julie, une idée de ce que vous aimeriez? Du coup, pour la coiffure, j'ai pas envie de toucher à mes cheveux. Ça représente vraiment mon identité. Donc du coup, je veux juste me concentrer sur le make-up. Ok, pas de problème. Oh, elle va laisser ses cheveux comme ça? Bah oui, faut croire Andrea. Vous auriez aimé qu'elle fasse quoi avec ses cheveux, Julie? Qu'elle les coiffe un petit peu, que ça soit un peu discipliné, quoi. Christina a la raison de ne pas toucher à ses cheveux, Julie. Personnellement, je suis pas fan de sa coupe de cheveux. Ah bah oui, mais elle trouve que c'est son identité. Bon, peut-être qu'avec un des nombreux voiles qu'elle a essayé, elle va réussir à vous bluffer, Christina. C'est avec le coiffeur qu'on va voir le voile, les positionnements. Il faut vraiment que le coiffeur soit au taquet. La 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 la. Oui, bah, là, 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 ou pas. Pour l'instant, concentrons-nous sur le make-up. On part sur quoi, Julie? Alors, j'ai fait des petits screenshots, tu vas me dire si c'est possible. Permettez qu'on traduise, Julie. Des screenshots en langage de blogueuse, ce sont des captures d'écran. Du coup, j'aimerais quelque chose de plus intense au niveau des yeux. Ouh là là, un peu trop lourd, hein, sur les yeux, là, c'est trop... Pour moi, c'est un peu trop intense. Oui, Julie, attention, on vous rappelle que c'est un maquillage spécial mariage. Faut y aller mollo, c'est ça, Christina? Ça qu'elle a montré, c'est des maquillages qui a des fossiles comme ça. Et en plus, les yeux sont charbonneux. Donc les yeux chargés plus les fossiles, bah, ça fait trop chargé. Et moi, personnellement, je ne suis pas fan. Je prendrais des choses plus légères. Apparemment, Christina, le dieu du make-up, vous a entendu sur les fossiles parce que... Je n'ai pas de fossiles. D'accord. Mais on peut... Bien intensifier. Ouais, voilà, avec cils. Le mascara. Très bien. À la bonne heure. Allez, Julie, on se détend pour cette semaine spéciale mariage. Vous avez, tenez-vous bien, 40 minutes pour faire de vous la plus belle des mariées. Ça y est, je prends enfin un petit peu de temps pour moi. Donc là, elle va pouvoir se détendre, petite princesse. Fais-toi chouchouter. C'est ce qu'elle fait, puisque Mademoiselle commence par un massage. Bon, Julie, maintenant que vous êtes bien détendue, vous êtes prête à dire oui si Jonathan vous demande en mariage? Si je devais m'entraîner, là, vite fait, ce serait... Oui, trop, trop mignon. De oui, comme ça, là. Allez, revenons à ce maquillage. Après le massage, Mademoiselle est passée au teint. Tu mets quoi, là? Du lighter? Là, en fait, c'est l'incerne que j'utilise en... En point de lumière? En point de lumière, exactement. Oui, elle s'y connaît, Julie, en lighter. On avait vu ça chez elle. Et ensuite, Mademoiselle passe aux yeux. Donc, c'est dessin du sourcil, fard à paupières et mascara. Pas trop chargé, finalement, les yeux, Christina? Cette couleur lui va très bien à son teint, hein. Ce côté un peu cuivré, c'est très très beau pour elle. Hein. Ça fait pas vraiment fort, quoi. Ça fait vraiment naturel, ça le va bien. Validé par notre experte donc ce maquillage des yeux. Est-ce qu'on pourrait avoir le chrono s'il vous plaît? 10 minutes, ça va? Je pense qu'il faut intensifier le regard.
et plus de mascara. Faire un petit trait de liner en ras de cils pour un œil de biche. Elle sait ce qu'elle veut, notre influenceuse. Pas girl power pour rien, notre Julie. Comment tu te trouves ? Et ça répond à mes attentes, merci beaucoup. Christina, au final, c'est toujours bien ? Ça lui va bien, c'est plutôt frais. Ça me soulage parce qu'elle a montré des maquillages beaucoup plus intenses que ça à la maquilleuse. Et là, c'est plus léger, je trouve que ça lui va mieux. Et vous, les filles, vous la trouvez comment, la future mariée ? Moi, je te trouve très jolie. Et je trouve que le maquillage est super bien exécuté. Le maquillage, il est assez moderne parce qu'il est sobre. Allez, Julie, plus que 50 secondes. Juste le temps pour monsieur d'accrocher le voile et c'est fini. Girl power! Girl power, Julie, yes! Yes, ma chérie! Allez, ma chérie, on dit au revoir et on file dans le van qui va vous emmener au showroom pour votre défilé. Alors, Julie, contente de vos achats? Girl power, ce shopping? Je suis hyper contente de mon shopping. Je pouvais pas trouver mieux, je pense. Julie, elle a essayé une tenue qui était magnifique. J'espère qu'elle a pris la bonne tenue. Hein. On l'a bien compris, Christina, que vous aviez une nette préférence pour la jupe courte. Vous, les filles, vous la pensez toujours dans la course, Julie? Moi, je suis un peu déçue, je reste un peu sur ma faim, parce qu'en voyant son dressing, je m'attendais à beaucoup de folie de sa part. Non, moi, je suis quand même assez convaincue par les tenues qu'elle a essayées. En tout cas, pour moi, si elle prend la combi longue, elle reflète un peu son côté masculin, féminin, ça met bien en valeur sa taille. C'est elle, en fait. Non, elle va nous surprendre, là, ce soir. Oui, en espérant que la surprise soit bonne. Julie, parmi toutes les tenues que vous avez essayées, vous pensez que votre choix va surprendre, et les filles, et Jonathan ? Je serai forcément la plus belle aux yeux de Jonathan, c'est clair. Bien sûr que tu vas être la plus belle pour lui, et tu es déjà. Hein. Ça se trouve, Jonathan, il est là, il a déjà acheté la bague, il a déjà le genou à terre et il attend sa dulcinée. Et hop, nouvelle louche de pression pour Jonathan. Hein. Allez, en attendant sa demande, Julie, filez vous changer, on vous retrouve pour votre défilé. Mais avant, Christina, faites-nous un petit rappel de ce qu'on a pu apprendre pendant sa journée shopping. Pour être moderne pour le jour de votre mariage avec un voile, pourquoi pas une jolie tenue courte jusqu'au genou, c'est très sympa. Christina, si comme Julie, on a la peau mate, quelle couleur de fard à paupières choisir? Si vous avez la peau mate, le cuivré vous va très bien pour la paupière. Merci Christina. Julie, notre maman influenceuse, a revêtu sa tenue de mariée. Alors Julie, vous pensez avoir réussi le défi et être moderne pour le jour de votre mariage avec un voile? Mon look est moderne, il est dans le thème. Je suis parfaite pour le jour de mon mariage avec un voile parce que j'ai choisi des choses qui sont dans l'air du temps, qui sont audacieuses et qui sont à mon image. Super, voyons ça. Julie, le podium n'attend plus que vous. Je suis un peu déçue quand même. Ah ouais, quand même. Elle est canon. C'est sympa les fleurs que tu offres, ma chérie. C'est un joli geste. Pour sa tenue de mariée moderne avec un voile, Julie a acheté un voile à 90 euros, une veste à 632 euros, un pantalon à 483 euros, des sandales à 169 euros, des boucles d'oreilles pour 75 euros et des fleurs pour 35 euros. Julie a donc respecté son budget de 1500 euros. Christina a-t-elle su respecter le thème ? Dommage qu'elle a choisi cette tenue. Je comprends l'intention. Elle voulait apporter la modernité avec le pantalon comme ça en transparence. Mais le choix de ce pantalon-là, ce n'est pas l'idéal. Je ne suis pas très fan de cette dentelle. Je trouve que ça épaissit sa jambe. Ça manque de raffinement. La veste, elle est un peu grande pour Julie. Et le voile, j'aurais fait vraiment quelque chose qui vienne plus vers les épaules. L'idée est bonne, mais ce n'est pas abouti. La boucle d'oreille, je ne suis pas fan et en plus ça n'a rien à voir avec la tenue. Les chaussures, je ne suis pas fan et ça n'a rien à voir avec la tenue. Il aurait fallu qu'elle prenne ma pièce à choper et là, ça serait l'idéal. Pour la mise en beauté, ben, le maquillage reste naturel. Le bouquet, il est très joli. Julie, malheureusement, elle n'est pas dans le thème moderne pour les jours de son mariage avec un voile. Mince, cette semaine spéciale mariage débute par un hors-thème de notre experte. Que vont en penser les rivales de Julie ? Réponse, tout de suite.
Je vais mettre la note de 12 sur 20 à Julie parce que je la trouve pas moderne. Le jour de son mariage avec un voile. Le pantalon, j'aime pas beaucoup. La veste non plus. Et les chaussures encore moins, je les trouve vraiment cheap. Je lui mets la note de 15 sur 20. Elle est complètement dans le thème. Le pantalon, pour le coup, ça lui va vraiment bien. Les chaussures, elle a choisi les chaussures que je voulais. Elle peut être la reine du shopping. Je mets la note de 16 sur 20 à Julie. Elle est dans le thème. Elle a fait le bon choix parce que tout lui va bien. Le maquillage est juste ce qu'il faut. Je mets la note de 14 sur 20 à Julie. Elle est dans le thème moderne pour le jour de votre mariage avec un voile. Moi, j'aime beaucoup sa tenue, je la trouve sexy. Après, concernant le voile, j'aurais choisi un voile plus long pour donner un peu plus de classe à sa tenue. À l'exception d'Andrea, toutes les candidates ont jugé Julie dans le thème moderne le jour de son mariage avec un voile. Elle obtient la bonne moyenne de 14,25 sur 20, mais rien n'est joué. La compétition ne fait que commencer. Et vendredi, Christina attribuera son point bonus à la candidate qui aura composé le meilleur look pour le thème. Demain, c'est au tour d'Elisa pour faire le shopping pour sa robe de mariée. À demain. Demain, c'est Lisa qui partira à la recherche du prince charmant en prenant le thème moderne pour le jour de son mariage avec un voile au pied de la lettre. Vous avez un fils, madame ? Je peux vous appeler belle-maman ? Ça y est, c'est la belle-maman. Merci, belle-maman. Belle-maman, venez. J'arrive. Bah oui, elle a la pression, elle va avoir la robe, elle a pas le mec, donc... Faute de trouver son prince, Lisa va faire tout pour dénicher la robe parfaite pour être moderne à sa manière. Là, c'est tout princesse, madame, non ? J'aime beaucoup déjà la longueur. Le dos est magnifique. Et ça reste quand même la moderne. Elle est mignonne. Ça, c'est une robe moderne, parce qu'elle sort du commun. C'est un voile comme ça qui tombe sur le visage, ça rentre dans les thèmes, ça peut être très sympa. Très sympa et parfois très inattendu. Waouh ! Attends, elle a osé, quoi. Putain, qu'est-ce qu'elle est coquine ? Elle a pas froid aux yeux. Aïe, 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 Lisa, tu es au taquet, ma chérie. Lisa sera-t-elle pour autant la mariée la plus moderne avec un voile ? Vous êtes prêt déjà à votre mari ? Pourquoi vous êtes prétendant ? Ça sent la drague, ça ! Réponse demain.